Me dire tantôt. Quand ça? Ben, tantôt, là, pendant le souper. Avant que tu renverses ton verre de vin, tu m'énerves. Hey, j'espère que tu t'en fais pas pour ta nappe, je te jure, ça part au lavage. Je sais, là. Non, mais tu disais que tu avais une idée en revenant de chez ta mère hier soir. Ah, mais je t'avertis, tu vas peut-être me trouver bizarre. Hein? Pourquoi? C'est juste parce que, en revenant de chez elle hier soir, j'ai vu des maisons en construction près de Pointe-aux-Trembles. Puis? Ben, quoi? Ben, je nous imaginais dans une de ces maisons-là. Tu nous imaginais à Pointe-aux-Trembles? La petite famille assise autour de la piscine sur des chaises longues, puis toi dans le fond de la cour au-dessus du barbecue? C'est ça? Ils sont pas encore construits, tu peux pas nous imaginer autour de la piscine? Crépolo, tu penses à des affaires demain, mais tu m'étonnes. Ben non, mais je suis sûr qu'on va vivre ensemble un jour, moi. Ben, un jour, peut-être, mais... Hey, de toute façon, comment je paierais ça, une maison, moi? Je t'ai-tu demandé quelque chose? Même pas assez d'argent à m'acheter une robe. Mais tu devrais. Donc, à part ça, je serais capable de la payer, moi, la maison. C'est pas un château, c'est juste un bungalow. On fera pas l'offre d'achat demain matin. Ben, hey, c'est pas si simple que ça, là. On n'est pas juste nous deux là-dedans. Il y a les enfants aussi, ils se connaissent même pas. Ben, tu penses pas que tu pourrais vivre avec moi? Ben oui, Gratana, c'est pas ça. Oh, puis arrête, là! J'ai pas envie de partir sur une balloune. Faut pas avoir peur de faire des projets d'avenir. Ça fait partie de la vie, ça. Ben, c'est juste que... ça me fait un peu peur. J'ai déjà manqué mon coup une fois, moi. Puis toi aussi, t'as déjà été mariée. Mais oui, ben oui. Mais avec toi, tu sais bien que c'est pas pareil. Mais j'ai jamais été aussi amoureux de ma vie. Un amour comme le nôtre... Il n'en existe pas deux, l'un vite, un amour comme le nôtre. Hein? Salut! Bonjour, Miss Sylvia! Oh, je te dérange-tu, là? Oh, mais pas du tout, entre! Ça fait assez longtemps que je t'ai pas vue. J'arrive d'en haut. De chez ta mère? Ben non, à travers. J'arrive de chez Gilles. Qu'est-ce que tu faisais? Tu jouais du piano? Non. Tu vas me trouver folle, hein? Je dansais le mambo. Mm-hmm. Ben, je suis allée danser hier à l'âge d'or, moi. Mm-hmm. Puis c'est tout frais dans ma tête. Hein? Ouais, ben moi aussi, je suis allée danser hier. Puis je pense que j'aurais pas dû. Ah? Pourquoi? Gilles me fait quasiment une scène parce que je suis allée. Ah bon? Ben, en tout cas, je me comprends. C'est bien compliqué. Oh, tu sais, si t'as pas envie d'en parler, là... Ben, faudrait pas que tu le dises à personne, par exemple. Mm-hmm. Je suis allée toute seule parce que j'ai un kick sur un nouveau gars qui vient d'arriver à Polyvalente, puis il était là hier. Puis c'est pour ça que Gilles... Ben, Gilles peut même pas le savoir. J'ai jamais parlé à ce gars-là. Mais tu as sûrement parlé hier soir. Ah, même pas. J'ai joué à l'indépendante, puis ça a pas marché. Il est pas venu me parler pantoute. Puis le pire, là, j'ai appris qu'il était bien gêné. Ça fait que... Ça va faire patate, notre affaire. Allô? Hein? Ah oui, ça va bien. Ben, un souper? Mais où ça? Juste nous deux? Ben, je marche pas beaucoup, moi, vous savez. Hein? Vous habitez loin maintenant, là. Et puis, vous allez être obligé de m'excuser, là, j'ai de la visite. Ouais, c'est ça. Au revoir. Mon doudou! Qu'est-ce que t'as, Madame Bourrette? T'as bien l'air drôle. Tes joues sont toutes rouges. C'est ma pression qui fait ça. Je peux-tu faire quelque chose? Hein? Ah, non. Mais c'est-tu juste quelqu'un qui t'a invité à sortir? Je le connais-tu? Oui. Je veux dire, non, hein, c'est mon compagnon de danse sociale. Oh, en tout cas, là, il y a bien dû voir que t'étais pas intéressée. Tu penses? Ben... Ay, que je m'aille donc.
Il m'a tellement pris par surprise là, que j'ai presque raccroché la ligne au nez. Mais tu peux toujours le rappeler. Moi? Ben jamais, hein. Je suis pas la petite vieille de poivre et sel, moi. J'ai mon orgueil, hein. Moi, je suis en chair et en os. Ben, d'après mon expérience, ça marche pas quand on joue à l'indépendante. C'est sûr que tu peux prendre le temps que tu veux, mais t'es pas pour attendre d'avoir 95. Chanceuse, t'es allée magasiner. Ben oui, mon chum s'occupait des employés aujourd'hui. Il m'a laissé partir plus de bonne heure. Le pire, là, c'est que j'ai dépensé presque toute ma paie sur une robe. Ouais, ça m'étonne. J'ai fait toute une folie. Ben non, t'as bien fait, arrête donc. Mais des fois, je suis assez tannée de me priver. Je sais pas ce qui me retient de me ringorer, je l'ai toute sa crade job-là. Hey, faudrait bien que je me dépêche d'aller la mettre, hein. Mon chum va arriver d'une minute à l'autre. Je voulais y faire une surprise. Tu sais quoi, Carole? Non. T'es en beauté, puis ça te fait assez bien d'être en amour, non? Ben, en tout cas, avec lui, c'est pas compliqué, hein. Il est tellement fin. Ouais. Ben, il est doux. Il est fin que les enfants. Il est tout le temps plein de projets. En tout cas, c'est pas le genre à rester à ça, rien faire. Puis je gâche qu'il cuisine en plus. Ben, c'est évident, c'est un cuisinier. Ben oui. Hey, je suis là que je te retarde, là. Va-t'en, là, on se reparlera une autre fois. Tu viendras me voir, on va avoir plus de temps pour jaser. OK, bye! Mais comment ça? Ben, tu sauras, Noëlla, que ta Madame Lacasse n'a pas d'affaire à y tourner autour. Hein? Tu le sais que c'est toujours avec moi qui danse à l'âge d'or. Puis d'abord, il faut que je te dise. C'est quoi ta fameuse idée? On va tout te dire ça au restaurant. Mais qu'est-ce que tu fais, là, Carole? Ça te prend bien du temps. Je peux-tu entrer? Non! C'est une surprise! Coudon, ça promet? Hey, attends que je t'apprenne la meilleure. Il y a des choses qui vont changer à job d'ici pas grand temps. Paraît que le grand Chicoine s'est fait offrir une job dans un hôtel des Laurentides. Puis t'avais une psy qui va le remplacer? Je suis prête. Carole! Aimes-tu ça? Ben oui, c'est beau! Hey, c'est nouveau? Oui. Oh, t'es belle. Mais dis-moi là tout de suite ton idée. J'ai pas envie d'attendre qu'on soit au restaurant. Ben, Sylvie et Robert viennent chez leur père demain midi? Ça doit. Parfait! Mais t'as pas ta fille, toi, demain? Ben oui, puis j'avais pensé toutes les inviter à venir bruncher ici demain midi. Ah ben, peut-être. Ben oui, puis après avoir mangé, ben on pourrait aller faire un tour d'auto, voir les maisons modèles dont je t'avais parlé, ça nous engage à rien. Ben... Je trouverais ça le fun, moi, pas toi. Demain? Hey, bouge pas, je ferai pas marcher ma belle princesse, là, cinq coins de rue belle de même. Je vais t'amener ma limousine à la porte. Demain? Ben, c'est pas vrai. Oh, mais... Marilyn s'y connaît en planche à voile. Elle réussit tout ce qu'elle entreprend. C'est ma grande sœur. On partage tout. Sport de plein air et petits trucs pour avoir une peau qui a l'air en santé. Depuis toujours, je me lave le visage avec Ivory. J'aime Ivory. C'est le plus pur de tous les savons. Il est doux pour ma peau. Marilyn a un teint qui a vraiment l'air en santé. Un teint ivory! Vous connaissez une femme qui a un teint ivory? Écrivez-nous. Pourquoi avons-nous donné à Futur sa formule acrylique si résistante? C'est parce que nous savons ce que vos planchers endurent chaque jour. Ravivez l'éclat de vos planchers avec Futur. Dans notre commerce, il faut que les meubles soient toujours brillants. Alors, nous y poussons avec Pledge tous les jours. Pledge rend nos meubles brillants sans accumulation de cire. Voilà. Pledge enlève la cire précédente chaque fois que vous y poussez et rétablit le lustre. Et ça, c'est bon pour le bois. Si ceci représentait tous les grains de café au monde, combien d'entre eux seraient suffisamment bons pour Nabob? Chez Nabob, quand nous choisissons les grains pour notre café moulu, nous n'avons pas de poids, de mesure. Ils ne sont pas assez mûrs? Nabob n'en veut pas. Ils manquent d'arôme? Nabob les refuse. Tous les grains qui ne répondent pas à nos critères de saveur et d'arôme sont rejetés. C'est pour ça que Nabob a un goût impeccable. Nabob, un goût de choix, à cause du choix des grains. Devant l'infiniment grand, toujours on cherche une réponse, un réconfort. Perdre un être cher nous fait sentir infiniment petit. C'est alors qu'on a besoin de quelqu'un qui nous soutienne. Alfred Dallaire pose les gestes qu'il faut pour aider à traverser les moments difficiles. Être différent, pour nous, cela veut dire soutenir dans la peine. Compassion, dignité, c'est la manière Dallaire. Et devant l'inconnu, c'est toute la différence du monde.
Allô, Sylvie, c'est encore moi, là. Là, Polo est parti chercher sa fille. Ça se pourrait qu'on commence plus vite que prévu. On va peut-être aller faire un tour en dehors de la ville dans l'après-midi. Quoi faire? Ah, ben ça, c'est même pas sûr, là, mais j'aimerais ça que tu sois là quand sa fille va arriver. Tu sais, pour pas qu'elle s'ennuie trop avec juste nous autres. Penses-tu que Gérald pourrait venir vous reconduire? Ben oui, c'est correct. Robert est habillé, là? Y a-tu mis sa chemise blanche puis son chandail neuf? Ben oui. Ben qu'est-ce qu'on mange? Bon, c'est pas encore, mais ça va être spécial. Tu devrais mettre ta belle jupe neuve. Puis t'essaieras d'être fine avec la fille de Polo, hein? Elle va être un peu gênée. Ben oui, je vais être fine. Je sais vivre. Inquiète-toi pas, OK? À tantôt. OK, bye. Salut! Déjà, mais j'ai même pas eu le temps de m'habiller. Ça t'a pas pris de temps? Ben, j'avais presque tout ce qu'il fallait chez nous. J'ai juste eu à acheter 2-3 affaires. Puis ta fille? Elle est partie au dépanneur à côté. Je l'ai envoyé acheter des pamplemousses. Ah. Non. Va t'habiller, je vais m'occuper de tout ça, hein? Mais j'avais pensé faire des omelettes. J'ai une recette bien spéciale. Mais non, inquiète-toi pas pour le menu. On va faire un cocktail de pamplemousse, des croque-monsieur avec la salade, puis un soufflé au chocolat pour le dessert. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, ben, OK. Je t'assure que t'aimerais ça. As-tu rappelé Sylvie? Ouais, je viens juste. Y a-tu dit qu'on irait visiter les maisons? Ben, me semble qu'il fait trop froid. Robert est tellement sensible de la gorge, hein? Faudra pas qu'il manque l'école pour une grippe. Tu vois, je vais y mettre un gros foulard autour du cou. Il n'y a pas un microbe qui va l'approcher. Et pourquoi tu dis ça? Il va mieux à l'école, Robert? Il me semblait qu'il faisait des gros progrès en lecture. Ouais, mais tu sais, pour autant que ça dure. Ben, ça, c'est pour toi. Oh, des fleurs. Oui, des belles fleurs. As-tu un couteau à pamplemousse? Ah, je pense que non. Mais Carole, j'ai jamais vu ça. Moi, t'es vraiment pas équipé pour faire la cuisine, on dirait. Ah, ça, c'est Nadine. Bon, ben, je vais aller me changer, je pense. Ben, où c'est qu'ils sont? Bonjour, Monsieur Pominville, c'est Laura. Je voulais m'excuser, là, pour hier. Moi, je monte pas tout de suite. Pourquoi? Ben, ce sera pas long, là. Faut que je donne quelque chose à Madame Bourrette. Ah, oh, je vais pas rester tout seul avec le fille. Ah, fais pas le bébé, elle te mangera pas. T'as juste à jouer avec tes affaires comme d'habitude, OK? OK. Ah. Sylvie? Mais qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui, toi? Rentre! Oh, ben ma mère a fait une fête, là. C'est la grande affaire. Faut qu'on rencontre la fille de son chum. Ah bon? Mais je peux pas rester longtemps, mais j'ai un livre pour toi. Ça va t'aider pour ton histoire, là, avec ton monsieur. Penses-tu vraiment que j'en ai besoin? J'ai aimé un rat rocker. C'est quoi, ça? Donc, qu'est-ce qu'elle fait, Sylvie? Oh, non, Robert, va donc serrer tes transformeurs. Je pense pas que c'est de l'âge Nadine. Hey, veux-tu un pamplemousse, Robert? Je vais mettre un peu de sucre dessus. Ah oui, c'est correct. J'ai goûté tantôt. Tiens. T'en veux pas, Nadine? Oh non, pas tout de suite. C'est à elle, Walkman? Prends du ton un peu pour qu'il joue avec. Oh, c'est pas un jouet. Je veux pas jouer avec son Walkman. J'en ai le plus beau chez mon père. Bonjour! Bon, la v'là! Salut! Salut. Nadine, je te présente Sylvie, c'est la fille de Carole. Elle a un an plus jeune que toi. Je le sais, tu me l'as déjà dit. Ah, regarde, t'as un beau veston. Toi aussi. Bon, ben, avez-vous faim? Hey, c'est Aurore, écoute! Ben non, c'est Simply Red. Hey, Nadine! Ben oui, écoute, si tu me crois pas, je vais te le montrer, le disque, je l'ai. Et Nadine, je vais te montrer mon piano, OK? Je vais aller le chercher. Quoi, Robert? Oh, Robert, veux-tu bien, on parle, là. Oh, OK, d'abord. Avant que j'aie une augmentation de salaire. Je sais pas ce que vous attendez pour la demander. Vous êtes 5 filles sur le plancher, puis il n'y en a pas une de la gang qui ose le faire. Polo, il est où ton dessert? Ah, ben pour ça, tu vas encore être obligé de patienter 45 minutes. C'est quoi? C'est un super spécial du chef juste pour toi. C'est un soufflé au chocolat. Ah! Bon, mais... Et ça a l'air de bien marcher, notre affaire, hein? On va y aller à Pointe-aux-Trembles. Pourquoi tu le dis pas à Sylvie et à Robert? Ça va leur faire prendre l'air, de faire moins froid, là. Tu manges pas? Aimerais-tu ça qu'on se fasse une bonne petite salade? Hey, elle est bonne. Le même veston. Ben oui. Mais j'ai pas fait exprès. Moi non plus. C'est le chum de ma mère qui me l'a donné. Ah oui? Ah, il est smart. Pas tout le temps. Ah, oh, tu l'aimes pas? Oui, je niaise. Il est correct.
Surtout depuis qu'il se prend plus pour mon père. Quand ma mère a commencé à sortir avec, là... Oh boy! Je te jure que je l'aurais rentré dans le mur. Mon père, lui, il t'énerve-tu? Polo? Oh non, non, ça se place, là. Une chance, parce qu'il m'a dit qu'il irait peut-être rester avec ta mère. Oh, mais un jour, peut-être, oui. Moi, en tout cas, je l'ai averti. J'ai pas envie de déménager à Pointe-aux-Trembles. Ben, pourquoi Pointe-aux-Trembles? Ça se peut qu'on aille voir des maisons ensemble après-midi. Hein? Moi, je reste chez ma mère, tu peux être sûr. Je m'en irai pas m'enterrer là, certain. Toute ma gang est à Montréal. Mais voyons donc. Je sais pas ce que ton père t'a dit, mais si c'était vrai, ma mère m'en aurait parlé, certain. Mais quand est-ce que ton père t'a parlé de ça? J'ai encore de dépenser pour leur examen chez le dentiste. Non, laisse faire, je vais m'en occuper. Mais qu'est-ce que t'as à parler d'argent depuis que je suis arrivée? C'est-tu l'idée de la maison qui t'inquiète? Ça serait normal. Fais-toi-en pas avec ça, je te l'ai dit que je pourrais la payer. Tu pourrais payer d'autres affaires, toi. Je sais pas, moi, le reste, la nourriture... Ben oui, hein, évidemment. De toute façon, le règne du grand Chiquan l'achève. Es-tu sûr que c'est toi qui prendrais sa place? Ben, j'espère bien que oui, j'ai fait déjà sa job. Puis mettons que j'irais pas savoir son salaire, hein? Penses-tu qu'ils vont vouloir de la salade? Une petite salade, ouais, donc, là, un petit peu de verdure, là, ça va faire du bien en attendant le dessert. Je vais couper tomate. Non, c'est correct, je m'en occupe. Hé, hey, je pense à ça. Je deviendrai ton boss. T'es bien parti, en tout cas. Qu'est-ce que tu dis, mon trésor? Rien. Où est-ce que tu mets ta moutarde? Ben, là, dans l'étagère de la porte. T'as pas de moutarde forte? Non, j'ai pas de moutarde forte. Mais comment tu veux que je te fasse une vinaigrette qui a de l'allure sans moutarde forte? T'avais juste à me le dire, j'en aurais acheté. Bon, ben là, moi, là, faut que j'aille prendre l'air. Où ça? Tu veux de la moutarde forte? Je vais aller t'en chercher de la moutarde forte. Oh, allô? Je m'excuse, Estelle, as-tu de la moutarde forte? Ben non, pauvre toi. Mais tant mieux, c'est pas pour ça que je viens. Oh, je suis assez découragée. Oh, je dois pas être normale, certain. Il me semble que je devrais être au 7e ciel en ce moment, mais non. Qu'est-ce qui se passe, là? Oh! Polo, il a invité sa fille, là, pour qu'elle rencontre Sylvie puis Robert. Ben? Oh, c'est un vrai fiasco, mon affaire. Mais quoi, les enfants sont-ils en train de se battre ou quoi? Ben non, ils s'entendent à merveille. Attends un peu, je te suis pas, le Kéron. Polo, il est parti sur l'idée qu'on devrait vivre ensemble. Puis là, ben, faudra aller visiter une maison dans une heure. C'est pas parce que j'ai pas le goût. Je sais qu'il fait ça pour me faire plaisir, là, mais... Ben oui, mais une maison? Ouais. T'es pas contente? Il me semble que c'est une bonne nouvelle, ça? Non. Mais je sais plus, moi. Mais oui, mais moi, je veux pas aller rester en dehors de la ville. Mais oui, mais Carole, il me semble que c'est pas difficile à dire, mais c'est ça. Pas si simple, ça. Je suis pas prête. C'est pas parce que je l'aime pas, mais il va tellement vite, là, que je décide plus rien. Mais ça me semble clair que t'es bien mélangée en ce moment. Il va tellement vite, là, me semble que j'ai plus le temps de penser. Il me bloque. Je t'en ai dit plus en 4 secondes à toi que j'en ai dit à lui en 3 jours. Puis là, ben, comment veux-tu que j'y dise ça maintenant que ça fait presque 3 jours qu'il m'en parle? Il est parti pour la gloire. Moi, je veux pas tout gâcher. Mais oui, mais... C'est quoi, là? Comment ça se fait que t'es pas capable d'y parler, donc? Oh, je sais pas. Oh, hey, faut que j'y retourne. J'ai même pas de moutarde. Ben, laisse faire la moutarde, je t'en prie. Je l'aime, tu sais, c'est pas ça. Où est-ce qu'elle est, ma mère? Oh, je pense qu'elle est allée acheter de la moutarde. Ça fait longtemps. Hey, qu'est-ce qu'on fait? C'est plate, là. Tu veux pas aller écouter de la musique avec ta sœur puis Nadine? Ben, il parle. C'est pas juste. Comment ça, c'est pas juste? Ben, Sylvie, elle, c'est qu'il fait une sœur. Moi, je suis toute seule. Comment ça se fait que t'en as pas de petit garçon? Je le sais pas, moi, Robert. J'ai jamais le tour, faut croire. Y es-tu prêt, mon soufflé au chocolat? Ton... Oh, non, je l'ai oublié! Ah! Oh! Sylvie, ça te tenterait-tu d'aller au dépanneur chercher de la moutarde forte avec Robert et Nadine? Pourquoi faire? Faut qu'on se parle. Chaque matin pour se réveiller, rien de mieux que Coast. C'est comme un océan moussant, une fragile.
fragrance qu'on aime ça. Vivifiante comme l'air marin, comme un plongeon dans la mer. Pour se rafraîchir au matin, pour se rafraîchir au matin. Oui, pour se rafraîchir au matin. Pour les membres de ma famille, rien n'est trop bon. C'est pour ça que depuis toujours, je fais ma soupe moi-même. Mais j'ai découvert un délicieux secret de Kimbob, la mijoterie. Un riche bouillon maison où mijote poulet, nouilles, céleri et carottes. On croirait même que c'est ma soupe. C'est bien important, car les plats que je sers aux miens, je ne les choisis jamais à la légère. La mijoterie, le vrai bon goût maison. J'ai le droit de vouloir qu'on vive ensemble, c'est pas interdit, ça. Je comprends pas ce que je veux dire. Fauche. J'ai osé lui avouer que c'était le grand amour. J'ai eu le malheur de t'avouer que j'avais pensé qu'on pourrait vivre ensemble dans la même maison, ça fait un drame. Mais tu comprends pas ce que je veux dire. T'arrives ici vendredi soir, t'as vu une maison, puis là, moi, j'ai l'impression qu'il faudrait que j'embarque. J'ai jamais dit ça. Tu te vois pas aller? Il me semble que je peux jamais le dire, ce que j'ai à dire. Oui, dis-le, je t'ai jamais empêché de parler. Je sais que c'était épeurant, l'idée de déménager, mais toi-même, pas plus tard que la semaine passée. Mais c'est pas ça, laisse-moi parler. Tu me laisses même pas deux secondes pour trouver ce que j'ai à dire. Oui, je te laisse parler. Non! Écoute! En tout cas, je veux pas que tu payes une maison pendant que moi, je paye la nourriture, comme tu dis. Moi, là, dans 10 ans, il me reste rien dans les poches, puis toi, t'as une belle maison avec le profit qui va avec. C'est le fun, hein? Mais c'est inégal en partant. Puis c'est même pas parce que je suis calculatrice. Parce que... Je sais même pas si tu comprendrais, là. C'est tellement difficile à dire, ces affaires-là. Tu me bosses. Tu me bosses à la job, c'est sûr. T'es presque mon boss. En partant, ça commence mal, mais... Tu me bosses dans ma cuisine, puis on vit même pas ensemble. J'en mets pas, moi, de la moutarde forte dans ma vinaigrette. Je me suis jamais trouvée aussi désorganisée que depuis que je te connais. Ben, c'est sûr, t'arrêtes pas de me dire que je suis pas organisée. Puis moi, ben, je veux pas me faire organiser. Je veux m'organiser avec ce que je suis. Tu le sais pas, toi, tout ce que j'ai fait depuis que je vis toute seule. Au début, là, j'étais obligée de rester toute seule, puis j'ai trouvé ça dur à maudit. Tu m'as parlé de la maison, là, puis ça m'a fait tellement plaisir que tu me dises ça. C'est pas juste de toi que j'ai peur là-dedans. C'est de moi. C'est moi qui me fais le plus peur. Je me sens pas prête à aller vivre avec toi comme on est là. Je me suis forgé un petit moule là, depuis que je vis toute seule. Puis t'aimerais ça que le jello soit bien pris dans le petit moule avant de... Avant d'entrer dans une histoire avec toi qui risquerait de durer de toute façon. Tu penses? Ouais. Si jamais tu deviens boss à la cafétéria, là, va falloir que tu lâches ça à la maison parce que ça m'intéresse pas de vivre avec un boss. C'est un nouveau gars à mon école. Il s'appelle Christophe. Il est-tu beau? Oh oui, c'est effrayant. Il ressemble à James Dean. Il tient toujours la tête un peu penchée, là. C'est comme ça, là. Oh, puis il parle à personne. Ben, c'est normal, il vient d'arriver. Sylvie, pourquoi je peux pas rentrer? Oh, je te l'ai dit, maman parle avec Polo. Mais ton autre chum, là, Gilles... Ça ne fait rien que tu sois en amour avec un autre? Oh, ben Gilles, c'est pas la même chose, hein? C'est un chum. Oh, salut, Madame Bourret. Bonjour, Sylvie. T'as une nouvelle petite amie? Ah, c'est Nadine, la fille de Polo. Bonjour, Nadine. Bonjour. Peux-tu aller jouer avec toi? Oh, ben non, mon trésor. J'ai un rendez-vous. Ah, oh. Oh, tu t'en vas-tu rencontrer ton prince charmant? Disons que j'ai accepté, là, pour une marche de santé. Puis après ça, ben, on verra. Oh, j'ai hâte de savoir c'est qui. Ah ben, bonjour. 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 Vous êtes plus fâchée? Non, là.
Il est parti reconduire Nadine chez sa mère. Il va venir souper avec nous autres après. C'est parce que tu voulais pas te marier avec qu'il était fâché contre toi? Ben, t'as pas à t'inquiéter. On est bien de bonne humeur, toi et deux. C'est vrai, son histoire de pointe aux trembles? Qui c'est qui t'a dit ça, toi? Ben, Nadine, cette affaire. Ouais, ben, on déménagera pas ensemble tout de suite. Puis si jamais ça arrive, là, vous allez le savoir bien d'avance. Inquiète-toi pas. C'est à cause de nous autres là, que tu veux pas déménager tout de suite? Non, c'est pas pour ça. C'est pour moi. Je suis pas encore prête. Toi, là, ça a-tu été un coup de foudre avec Paulo? Ben, pas vraiment, non. Mais, tu sais, plus je le connais, là, plus je l'aime. Mais, penses-tu que ça se peut que... Ben, je vais prendre un exemple, OK? Ouais, OK. Que le gars, là, le plus beau, là, que t'as jamais vu, là, à qui t'as jamais parlé, là, vienne te voir un jour dans la cour de la polyvalente, mettons, là, pour te dire qu'il est passionnément en amour avec toi, puis qu'il te demande d'être la chanteuse de son groupe. Le prince charmant, là? Ben, tu sais, ça arrive. Oh, moi, j'y crois, en tout cas. J'y crois, mais je m'en méfie plus qu'avant, par exemple. T'es-tu en amour pareil? Oui. Oh, chanceuse!